Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Akash Rao Singh, je suis un étudiant en deuxième année des DUT techniques de commercialisation à l'Université de Guyane. Aujourd'hui, nous allons voir les emplois indicatifs et subjonctifs. Alors voici notre sommaire. Dans la première partie, nous allons voir le subjonctif présent ou imparfait, suivi donc du subjonctif imparfait et le subjonctif présent. Dans la deuxième partie, on va avoir des équivalents, donc les équivalents de le digo porque qui signifie je le dis parce que, les équivalents de me gusta qui signifie j'aime, les équivalents de eso revela que qui signifie cela révèle que, et les équivalents de en mi opinion qui veut tout simplement dire dans mon opinion. Donc le grand A, subjonctif présent ou imparfait. J'utilise toujours le subjonctif présent ou imparfait après para que qui signifie pour que et après tal vez qui signifie peut-être. Passons au B, subjonctif imparfait. J'utilise toujours le subjonctif imparfait après como si qui signifie comme si. Passons au grand C, le subjonctif présent. Donc j'utilise toujours le subjonctif présent après no creo que. No pienso que, no opino que. Donc vous avez bien vu qu'on a mis en valeur le O. Donc à faire attention. Passons donc à la deuxième partie avec les équivalents. Donc les équivalents de lo digo porque. Donc on va trouver des équivalents tels que ya que, tels que puesto que, es decir que, dado que. Donc les équivalents de me gusta. Me encanta, me chifla, yo preferio. Passons donc aussi les équivalents de eso le blaque qui va donner justement eso muestra que, eso significa que, eso representa. Et enfin le D, le tout dernier, les équivalents de en mi opinion, dans mon opinion, imagino que, para mí. Comprendo, pienso que, me parece que, creo que, opino que, y no comparto. Alors justement, donc le verbe en mode indicatif, donc no estoy de acuerdo con, etc. Muchas gracias por su atención.